Non. Alors, déjà, ce n'est pas tout à fait vrai le fait de dire que ça n'a pas été écrit tout de suite, la sunna du prophète. Parce qu'il y avait des écrits du temps même du prophète, comme le recueil de Abdullah ibn Amr ibn al-As, le recueil de Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik également, Ali ibn Abi Talib écrivait, etc. Donc il y avait déjà des recueils personnels des compagnons, et d'ailleurs, qu'on retrouve dans les recueils d'après. Donc, c'est-à-dire que dans la transcription de la Sunna, il y a eu deux phases. Il y a la transcription officieuse, personnelle, et ensuite une transcription officielle, donc organisée, dirigée par le califat. Donc, c'est au début du deuxième siècle de l'Égypte, voire même à la fin du premier, parce que celui qui l'a fait, c'est Omar ibn Abdelaziz. Il est mort en l'an 101 de l'Égypte. Et lorsqu'ils ont vu justement que les premiers, les compagnons, les tabi'in, donc disparaissaient, et par peur de voir la sunna disparaître, et en même temps avec l'apparition de faux hadiths, donc il était nécessaire de recueillir, de compiler les hadiths, et donc on a eu des recueils après, donc le Muwatta de l'imam Malik, etc. Après, la transmission de la sunna, en réalité, ça ressemble beaucoup à la transmission du Coran. Le Coran aussi, il a été transmis de cette manière-là. Donc, oralement et par écrit, mais oralement, donc prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons, les compagnons aux tabi'in, etc. La sunna, pareil. Sauf que pour la sunna, donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith, ou même les savants, lorsqu'ils ont commencé à se poser la question, effectivement, maintenant, comment s'assurer que telle ou telle parole a bien été dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fallait s'assurer de la source. Et donc là, ils ont élaboré des normes, des conditions très précises, très minutieuses, pour s'assurer de l'appartenance des propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a eu la chaîne de transmission. Donc il fallait que le propos remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers d'une chaîne. Et dans la chaîne, donc c'est les transmetteurs, donc jusqu'au compilateur, par exemple le Bukhari. Donc, Bukhari, il a reçu de son cheikh, hein, 3, 4, 5 personnes, ça arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont posé des conditions par rapport à cette chaîne, c'est-à-dire les transmetteurs doivent être tous intègres moralement. Non seulement intègres moralement, mais ils sont dotés d'une bonne mémorisation, parce que parfois on peut trouver quelqu'un, mashallah, pieux, etc. Par contre, une faible mémoire. Donc, intégrité morale, en définition, sans rentrer dans les détails de tout ça, ad-dabt, donc la précision, hein, dans la transmission. Et aussi, il faut que la chaîne soit continue. Il ne faut pas qu'il y ait une discontinuité dans la chaîne. Il y a plusieurs formes de discontinuité. Donc, il faut que la chaîne remonte d'une manière continue. Le prophète sallam, les transmetteurs donc, doivent être intègres moralement et dotés d'une précision dans la transmission. Et ça, c'est par rapport à la chaîne, parce qu'un hadith, c'est une chaîne de transmetteurs et c'est l'énoncé. Et l'énoncé aussi, il faut qu'il soit donc exemple de deux choses, donc de l'illa et de chouzou, du défaut et du vice. Des fois, il peut y avoir un vice dans l'énoncé qui remet en question l'authenticité. Bien sûr, ça, après, c'est les savants qui détectent ce genre de choses. Ensuite, il y a les savants, ils ont classé les hadiths selon le nombre de transmetteurs en deux grandes catégories. Ce qu'on appelle hadith ahad. Hadith ahad, c'est lorsque le hadith il est rapporté par une, deux personnes, trois, hein, à une, deux personnes. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, un ami à vous vient et il vous apporte une nouvelle. Vous le connaissez, il est intègre moralement, etc. Vous le croyez ou pas? On croit ou pas? Oui. Malgré ça, il peut se tromper. On parle pas même de mensonge, mais il peut se tromper. D'accord? Donc cette information, elle est authentique. Mais on dit, elle est dhanniya, elle est conjecturale, c'est-à-dire elle est susceptible d'erreur. Hein? Maintenant, non, en réalité,
Je n'ai pas, je la confirme même pas. Je crois un ami, bien ma femme, je vais pas aller chercher après, d'accord. Mais si cette information me parvient par une autre personne, d'une autre source, hein, ça se renforce. Mais là, il n'y a que deux personnes. Il y a encore une éventualité d'erreur. Maintenant, si c'est 10, 20, 30 personnes qui me disent tous la même chose, et ils les ont pas eu, hein, les informations des premiers, hein, chacun a été la source directement. Là, il n'y a plus d'éventualité d'erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle hadith mutawatir. Le hadith, donc, notoire. Donc, il y a deux sortes. Hadith mutawatir, donc celui-là relaté par un grand nombre de compagnons, par un grand nombre, yani, verbalement, c'est-à-dire mot pour mot, ou le sens. Celui-là, donc, c'est un hadith authentique. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est les plus importants parce que c'est les fondements de la religion. Et il y a les hadiths ahad, qui sont nombreux. Et là, les savants, donc après, sans rentrer dans les détails, mais ils ont divergé. Est-ce qu'on l'utilise aussi fil aqida ou pas? Là, il y a divergence entre les savants par rapport au hadith ahad. Donc voilà par rapport à cela.